monde les gars, c'est chez moi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo tutoriel. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ou peut-être que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Mais c'est comment ne pas laguer sous Call of Duty Mobile. Je sais pas, en tout cas vous regardez des tutos en tout cas pour ça. Mais moi je vous conseille de regarder ma vidéo. C'est un vrai tuto, là, no fake. Il n'y a pas de fake du tout. Vous allez pas laguer, et pas de soucis. Donc en premier, vous allez dans à propos du téléphone. Information sur le logiciel. Ensuite, vous tapez cette fois sur numéro de son. Moi, il est déjà activé. J'ai pas besoin de le faire. Donc, dans le cas, vous activez cette fois sur. Voilà. Vous appuyez cette fois sur ça. Voilà. Une fois c'est fait, il y aura un petit message pour vous dire que le mode développeur est activé. Ensuite, vous allez dans Options développeur. Bien évidemment. Il y a des trucs qui sont déjà couchés de base. Mais... Donc vous allez dans les échelles. Donc échelle d'animation fenêtre, échelle d'animation transition, échelle durée d'animation. De base c'est à 1. Voilà. Vous mettez les trois échelles à 0,5. Une fois c'est fait, vous forcez le rendu. GPU. Si vous avez activé ça par exemple dans un tutoriel d'un mec qui a fait la vidéo et qu'il a coché ça, ne le faites pas, vraiment ne faites pas. Ne cochez pas ça. Quand une fois vous avez comme ça, quand une fois vous avez fini, vous allez ensuite installer Game Booster. Comment on fait? Il y a deux manières. Google. Tapez sur Google. Vous écrivez tout simplement Game Booster. Et ça va l'installer, voilà, c'est automatique, voilà, c'est installé. Il faut cliquer sur OK pour installer. Autre méthode, vous allez sur Play Store et vous tapez bien sûr Game Booster. Donc et vous installez celui-là. Game Booster FreeGFI-LACFIX. Une fois c'est fait, une fois vous avez installé, cliquez sur Ouvrir. Se retrouve qu'une fois c'est ouvert. Retournons. Maintenant que c'est ouvert, vous voyez que vous avez 400 de ping. Ça c'est les ping, les MS, les ping. Voilà. Donc vous cliquez sur GFI Toll. Donc pour ceux qui n'ont pas un téléphone puissant, pas très puissant, ceux qui ont téléphone puissant, les gens qui ont des téléphones puissants, n'installez pas cette application. Elle n'est pas faite pour vous parce que comment le jeu il va pas laguer pour vous. Pour ceux qui ont des téléphones moins puissants, pas très puissants pour rapport à Call of Duty Mobile, mais suffisamment assez pour jouer, mais bon, voilà. Mais, sauf que vous allez laguer, voilà. Même si vous avez une bonne connexion, vous allez laguer quand même. Donc, de base, c'est comme ça. De base, c'est comme ça. De base, c'est comme ça. Donc, de base, l'application, quand vous avez besoin de jouer, elle serait comme ça. Donc, pour ne pas laguer, soit vous mettez en médium, soit vous mettez en low, ça dépend. Par exemple, si vous voulez jouer en mode bateau royal, que vous voulez changer les paramètres, vous faites pareil, vous allez dans le low et puis vous appuyez dessus. Donc de base, moi mon truc c'est 90 fps et puis 1280. Voilà. Soit vous pouvez mettre à 160, enfin 1660, je vois, les chiffres. Vous pouvez mettre 2100. Je vous rassure, ne faites pas ça. Les deux là, faites pas ça. Vous pouvez vous arrêter aux trois trucs qui sont là. Voilà. Bon, bah, pensez comme ça. Après, vous appliquez. Tout simplement. C'est quelques secondes. Voilà, c'est rapide. Une fois c'est fait, c'est écrit complété. Vous sortez. Vous cliquez sur ça. Vous cliquez encore une deuxième fois sur ça. Et après vous cochez, enfin vous appuyez tout simplement sur plus. Donc moi de base
De base, comme ça, je lance le poisson, ça aurait été couché. Ensuite, comme une fois c'est fait, comme une fois vous êtes dessus, cliquez sur Cavity. Cliquez sur Cavity, on coche ici. Comme une fois c'est fait, vous cliquez sur Cavity, l'application. Cliquez sur Cavity. Là, il y aura une pub de merde, là. Voilà, juste une pub, je crois qu'on va servir à rien. Voilà, c'est une pub, voilà, cliquez dessus. Après, vous faites lunch. Cliquez sur lunch. On se retrouve comme une fois l'application aura démarré quand je serai au niveau du menu pour l'instant. Ok, religion. Maintenant, comme une fois vous avez fini, comme une fois le jeu a démarré, vous allez cliquer dessus là, dans les paramètres du jeu. Ensuite, vous allez dans audio et graphique. Donc, de base, quand vous allez lancer le jeu, la première fois, c'est comme ça. Ça, on peut pas, je peux pas y toucher. Parce qu'en fait, il faut avoir Call of Duty Genera pour avoir ses options, pour les options comme ce qu'on a en dessous là, et qui est aussi toute votre barre d'interface. Donc de base, c'est écrit moitié. Vous cliquez seulement sur le code, et après, vous lancez une game, moi, partie classique, comme je vais faire. Vous cliquez dessus, vous faites niveau 7 hein, pour arriver à ce niveau. Après, vous faites une game. On se retrouve qu'une fois, je suis en game. Ok, les gars, let's go. Donc vous voyez déjà une chose, vous laguez pas. Voilà. Donc moi à cause de la vidéo, moi je lag un peu, parce que c'est à cause de la vidéo. Mais globalement vous ne buguez pas. Et le jeu il est fait, il reste pas fait. Donc il tourne à 90 FPS, parce que c'est donc la meilleure chose comme ça. Là quand je vis c'est mon épée, parce que je suis épuisé. Je vais vous abonner à liker les vidéos sur les 300 tableaux. Là, c'est quoi ça? Je vais vous abonner à liker les vidéos sur les 300 tableaux.